là, vous travaillez pour eux. L'autre côté, quand tu dis que toi, tu embauches les gens en Côte d'Ivoire, tu as embauché combien de personnes? Si tu ne veux pas les embaucher là, tu les laisses, toi-même tu travailles. Donc il faut arrêter d'embrouiller les gens. J'ai l'argent. Warbemile, où est l'argent là? Et robe que tu as porté la fois passée là, robe là, ça se vend par kilo. Le kilo fait 1,70€. Robe que tu as porté et puis tu as attaché au milieu, sinon ça va tomber là. Robe là, ça fait 1,70€ le kilo. C'est même pas par unité. C'est-à-dire, on vend ça par kilo. Il y a robe me donne. Ta robe, on dresse ses pieds là. Que tu as porté là. Nyamro, tes vilaines femmes là. Des imbéciles comme ça là. C'est vous qui allez venir. Donc vous pensez que vous pouvez parler sur nous. Et puis nous, on va pas parler. Vous le pensez vraiment? Vous là, vous avez le droit de parler. Et puis nous là, nous les vrais Ivoiriens là, faut pas on va parler. Je ne vois pas. Atei. Je ne vois pas. Et puis ton pardon même là, faut même pas, tu vas venir demander pardon encore, c'est fini. Et puis, hé, Drogba. Parce que cet imbécile là, il veut te croiser. Le jour, hé, le jour, je vais vous voir ensemble là. Drogba, je vais aller très loin avec toi. Je vais aller très très loin avec toi. Et puis tous nos stars là qui vont venir s'afficher avec lui là. C'est-à-dire Ninka Miye qui a fait. Il n'a qu'à aller au Cameroun. Si je vois footballeur, chanteur, le voir en photo avec cet imbécile là, il est sorti, même si j'ai rien à dire, il est venu insulter la personne. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Faites-nous au bonheur. Alors, on va écouter ça là. Je suis ivoirien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous ceux qui vont mettre ce commentaire, que Dieu vous bénisse. Moi, j'allais supporter un arabe qui me vend, qui me déteste par rapport à mon frère africain avec qui j'ai eu une incompréhension de foyer. Entre nous et le Cameroun, c'est une affaire de la chambre. Bon, vous voyez, moi j'allais supporter. Bon, là aussi, il est en train d'insulter les Camerounais. Parce que les Camerounais ont laissé leurs frères ivoiriens, africains, noirs. Eux, ils ont supporté l'Égypte. Donc là, il est en train de les insulter. C'est-à-dire, lui, parce qu'il est trop marmailleur. Hé, hey, mon frère, tu as des idiots. Chacun a son groupe de moutons. Tes moutons, là, ils peuvent te comprendre. Mais nous, là, on ne peut jamais être d'accord avec ce que tu es en train de dire. On ne peut jamais être d'accord avec ce que tu as... Parce que c'est la marmaille que tu fais. Les Camerounais, là, ils sont arabes. Pourquoi ils ont supporté? Ils ont eu nos joueurs, là, nos supporters, là. Pourquoi ils ont fait ça? Il y a non-arabe. Est-ce que nous, là, non-arabe? On avance. Et puis aujourd'hui, là, Ivoirien qui va supporter tes Cameroun, là. Et Allah, pourquoi ils ont dit, faut pas, on va faire un jus de maman même. Ivoirien qui va insulter. Et Allah. Et Ivoirien qui va supporter quelqu'un, Dieu te maudit même. Dieu n'a qu'à te maudit, faut qu'à t'y faire qui ban. Dieu n'a qu'à te maudit. Toi et toute ta famille, Dieu n'a qu'à le. Ça dit, Allah a peur tout fort. Alors maintenant, on doit se faire respecter. Pour se faire respecter là, ça vient de nous, notre comportement. Ça là, moi je pardonne aux Camerounais, mais je ne vais pas les supporter. Mais l'imbécile là, dans mon pays là, lui là, jamais je vais le pardonner. Jamais de la vie, je vais le pardonner. Parce que si je laisse ça là, il va faire encore. Voici quelqu'un qui se dit homme de Dieu. Mais en bas des femmes, là, il n'a pas de limite. Même quand il couche avec les femmes, il vient s'asseoir. Un homme vrai ne fait pas ça. Ah, j'ai fait ça là, j'ai mouru 15 go, j'ai fait ça là, j'ai fait ça là. Toi, tu es homme de Dieu. Toi, là, toi, tu es homme de Dieu. Nyamro de Dao Rudalo. Aïe ta gueule là, comme pour chien là. Nyamro de Dao Shodao. Bata là. C'est pour ça que j'ai dit à toutes les Camerounaises, en 2022, en 2023, venez encore de mon bas sur Mungu. Voilà, regardez, je dis à tous les Camerounais, venez ici, on va vous donner nos femmes. On va se mettre en Côte d'Ivoire ici. Proprement. Parce que vous êtes tous des maudits. Tous ceux qui partagent la vidéo de Makoso, parce qu'il est pasteur, parce qu'il les a blagués. Tous ceux qui partagent et qui croient en Makoso là, vous êtes des maudits. Que Dieu vous éloigne du bonheur. À chaque fois que vous allez acheter ce produit, c'est-à-dire dès que tu prends, tu arrives à la maison là. Problème, ils n'ont qu'à couper courant sur toi. Ça n'a qu'à commencer. Et puis, ils n'ont qu'à t'envoyer tes factures que tu n'as pas encore payées là. Ils n'ont qu'à t'envoyer tout. Bloquer ton compte. C'est là que tu vas comprendre que, ah, lui là, il n'est pas bon. Nyamro Tenlou. Allez, Tao. C'est vous. Vous, ces clients là, c'est vous.
faisons l'amour. Baisons-nous que de faire la guerre. Regardez ça là. Comment le comportement analphabète. Voilà, non analphabète. C'est pas grave. Non, toi. La capture d'un militaire mental. Ouais. Qui a eu à mettre que Makoso ça va mendier. Écrivez-moi s'il vous plaît ce que j'ai demandé. Mais parler de quoi? Mathieu, même à la bande déroulante là. Moi je parle pas pour parler. Hein. Je parle avec les preuves. Je parle avec les preuves. Mes amis, on va aller d'abord avec Steve Offa. Ne me dis pas demain que Makoso s'est pas caché secret. Moi, je parle dans la vérité. Écoutez, il est fier. Okay. Et toi, m'a appelé. Et toi, m'a fait ça. Je vais vous montrer une preuve. On est quand? Là. C'est Steve Offa. On est quand? Ici, on ne voit pas la date. Mais si elle bouge un peu, on voit la date. On est jeudi. Regardez là. Ça marque en haut jeudi. Regardez. Quand je touche, ça marque jeudi. Il dit quoi ici? Il dit quoi ici? Lisez. Il dit quoi ici? Il dit, Samuel Eto'o veut te parler. Ça dit, c'est Dieu qui l'a écrit comme ça. Voici. Et il m'amène le WhatsApp de la légende. Il m'amène le WhatsApp de la légende. On est quand? On est jeudi. On est quand? On est jeudi. Écrivez-vous tous que Dieu bénisse Samuel Eto'o. Écrivez-vous tous. Samuel Eto'o. Non, escroyez à main. Alaka n'a pas escroyé de n'a pas dit Samuel Eto'o veut parler à des illettrés. Il n'a pas dit Samuel Eto'o veut parler à Johnny Pachoko. Il n'a pas dit Samuel Eto'o veut parler à moi. Il dit Samuel Eto'o veut parler à l'homme le plus influent de la Côte d'Ivoire sur les réseaux. Ok. Tu sais pourquoi il voulait te parler? Nyamro de Aladou, t'étais tout. Tu sais pourquoi il voulait te parler? C'est parce que tu as trahi ton pays. Si Johnny avait fait la même chose là. Et toi, allais le parler. Si Bob Lee, comment il s'appelle même, Don Giovanni, était à ta place des Judas, là, au Cameroun, là, il allait les appeler, les parler aussi. Mais ceux-là, ils ne sont pas comme toi. Eux, ils sont ivoiriens. Ceux-là sont ivoiriens. Mais il est nyamouaté, Daourou Dao, ta gueule, là, comme poussière, là. Toi, tu te lèves, tu vas vendre la Côte d'Ivoire. Hé! Hey, il est. Et Allah, c'est Gouna. Quand Allah, c'est Gouna, quoi. Allah, c'est Gouna. J'ai pris Dieu. Allons, c'est Gouna. Mais, Nassé. L'on, à Kaga, à Sébérité. Et Nassé, là-dedans, où tu vas te bouffer les doigts. Fini! Et pour toi, voilà, tu as réussi, quoi. Ah, Samuel Eto'o, ah, il voulait me parler, la légende s'est rentrée. Nous, on n'a rien contre Samuel Eto'o, hein. On n'a rien contre lui. D'un même là, les Camerounais là, ils sont à moitié pardonnés pour ce qu'ils ont fait. Mais toi là, ton pardon là, on ne va jamais prendre. On ne va jamais prendre. L'arrogance qui est en toi là, on va t'enlever ça. Nyamro de Allah du Tetejou. On va enlever ça dans toi. Il est toi et ta petite soeur. Nyamro de Allah, vous pensez que quoi dans le pays là? Vous pensez que quoi? Alouté, c'est pas vous. Alouté. Le Tai Chikan, Camille Makoso est le professeur, maître incontesté de la Marmaille. La légende, le plus grand joueur de tous les temps du continent africain. Voilà. Le... Tu as dit quoi ici? Bon, là. C'est-à-dire, si tu n'es pas intelligent, tu vas te dire que lui et Pierre Eto'o, ils se sont dit beaucoup de choses. Quand il fait les éloges de Eto'o, le plus grand joueur de toute l'Afrique, il n'y a pas eu son dé. C'est rentré, ça dit tu rabaisses. Moi je ne mens pas, je parle à épreuve. Mais à la fin là, pourquoi tu disais ça là? Tu vas dire le nom de la personne. Tu vas dire le nom de Drogba. Allons. Il a fait ça. Et toi le champion de Ligue à Bassa. Il va l'Inter de Milan vendu par le Barcelone. Il dit à José Mourinho, c'est moi qui vais te donner la Ligue des Champions. Un champion, c'est celui qui décante une situation. Samuel est ton fils. Humilie le Barça et donne la Ligue des Champions à l'Inter de Milan. Combien de fois Ballon d'Or africain? Combien de fois champion d'Afrique? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous parle de celui qui a transformé le visage du football camerounais. On a connu Roger Mila, mais quand Samuel Eto'o, il sait même pas parler. La transformation fut radicale. Il est champion olympique. En train de mettre les gens. Le Brésil avec Ronaldinho. Respectez cet homme-là. C'est pas votre ami. Il n'y a pas son égal sur le continent africain. Voilà. Il s'appelle Samuel Eto'o fils, okay. La légende vivante. Voilà. À ce jour, président de la Fédération Camerounaise de football, un footballeur que plusieurs ont été dilettés, plusieurs ont été d'arrogants, mais par son humilité, Samuel Eto'o vient marquer la différence. Et
Samuel. Parce que lui, il a encouragé Samuel. Je ne veux pas d'intermédiaire. Ouais. On aurait pu dire, le vice-président, Samuel Eto'o demande à quelqu'un de te contacter, mais lui-même veut te parler. Moi, qui suis-je? Parce que Samuel veut le parler. Il le met au-dessus de tout le monde. On ne dit pas qu'il n'est pas fort. Mais il ne faut pas faire des comparaisons. Je veux parler à cet homme qui a tenté de créer des conflits. Je veux parler à Makoso. Et le président Samuel Eto'o m'appelle. Première des choses qu'il dit, je veux vous inviter au Cameroun. Parce que j'ai suivi votre vidéo où vous avez dit que vous supportez le Cameroun et que vous voulez venir au Cameroun pour supporter les Camerounais. Je ne vous laisse pas payer le billet d'avion. C'est moi, Samuel Eto'o, qui vous invite. Donc quand tu dis Makoso est allé rencontrer Samuel Eto'o pour l'arnaquer là, tu es menteur ou tu es maudit. Écoutez la partie. C'est Samuel Eto'o qui m'invite et je vais maintenant donner les preuves. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Il faut parler avec les preuves. On va aller pas à pas. Pas à pas. Ici. Voici le nom. J'écris ici. Président, c'est le général Makoso de la Côte d'Ivoire. Je tente en vain de vous jouer. Quand on finit de parler, il y a même ton passeport. Je lui envoie mon passeport. Réponse. Bonjour frère. Il m'appelle comment frère. Tellement il suit ses intérêts. Samuel Eto'o m'appelle comment frère. Voilà, mon frère. Il dit bonjour frère. Purée. Fais ton test. Voilà. S'il te plaît, il faut faire ton test. Je reçois la lettre d'invitation de la Fédération Camerounaise de Football. Je ne suis pas votre ami. Je suis une légende. Je reçois un billet d'avion en business class. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre ami. Qui est en train d'écrire les trucs à la con là? On me dit de plaisanter à deux balles. On dit la légende de m'invite au Cameroun. Je perds ma peur. Me parler de quoi? Un monde est aiguillé comme ça. Bien fini de parler. Oh, Makoso est allé là-bas. C'est pas nager. On m'a invité officiellement par la Fédération Camerounaise de Football. Parce que je suis une autorité sur la toile. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui peut défier le Taichi. J'ai couché tous mes adversaires. Voilà. C'est Camille Makoso qui a fait le show. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Voici maintenant le mensonge vous rattrape. Dans la vie, il ne faut jamais être pressé. On va aller pas à pas. Voici toutes nos conversations. Voici le visa. Qui me l'amène? Samuel Eto'o. Voici le visa. On continue. Je lui amène la vidéo quand je suis arrivé à l'aéroport. Il dit, Dieu est bon. Il me dit quoi ici? Je veux avoir la photo de la carte d'accès. Ce n'est pas quelqu'un qui mène les démarches. C'est Samuel Eto'o lui-même. Qui suis-je? Je qui est devenu l'homme. Je lui envoie tout. Jusqu'à notre dernière conversation. Il dit, on arrive. Tu as dit un riche. Il dit, on viendra te chercher à 7h du matin. Voici ça. Le jour de mon départ aujourd'hui. Les gars, respectons les gens. Je ne suis pas votre ami. Quand je me déplace en tant qu'un diplomate, c'est des autorités qui m'amènent à me déplacer. Elle est un diplomate, voilà. Donc, Camille Makoso n'est pas le mendier. On a voulu me contacter et on m'a invité parce qu'il a vu une vidéo où j'ai dit je viendrai soutenir les lions. Bon, lui, il est. Il est tenté de semer la paix. Il est banni. Pardon. Attends. C'est le nom de vous saluer le courage. Supprimer, bloqué. Voilà, Amadou, c'est lui. Je t'ai alors. Je viens de demander au niveau du Cameroun. Le pardon. J'arrive à l'aéroport. On met une voiture à ma disposition. Hein? Si c'était pour le pardon là, qu'est-ce que nous on a fait aux Camerounais? On s'attache habituellement. Ils ont triché un match où on a parlé de ça. On n'a pas brûlé, on n'a pas piétiné la couleur d'un pays. Ce qu'on a l'habitude de se faire là, c'est ce qu'on a fait. Donc est-ce que ça leur donne droit? Aller marcher sur notre drapeau. Et puis toi, soi-disant Ivoirien, là, tu vas te lever. Tu ne demandes même pas pardon à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de Daourou. Il joue la Karatakatri ici au lieu à cela. Tu portes les maillots. Et là-bas, on parle. Tu sors, tu dis, ouais, tu n'es plus Ivoirien. Prenez votre. Et toi, là, il va te calculer que. Bah, il sait que tu es un marmailleur. Il sait que tu es un idiot. Nyamro de Aladou, t'étais douloureux. Maintenant, là, quand là va venir là, il faut l'appeler. Si te répond là, viens faire vidéo, tu vas insulter mes parents. Nyamro de Aladou, viens là. Je suis dans le même hôtel que Samuel Eto'o. Il dit, on ne loge pas le général Makoso ailleurs.